flèche ancien. Cela déborde comme un torrent d'eau. Je
And that you may make us bigger. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous tenons debout, nous allons chanter. Nous allons danser pour la gloire de Dieu avant de passer à autre chose. Thank you.
retenu que nous avons trois jours de gloire. Is to tell you that we've got 3 days of glory. Et je crois au fond de mon cœur. And I believe in the bottom of my heart. Et nous allons, nous commençons bien avec le Seigneur. And we're starting well with the Lord. Et pendant ces trois jours, Dieu va nous visiter. And during these 3 days, God will visit us. Énormément. Amen. And He will do us a lot of good. Et nous voulons passer à la parole de Dieu. We want to go into the word of the Lord. Parce que nous avons un thème merveilleux. Because we have a marvelous. Au-delà des limites. Surpassing limitations. Alors toutes les limitations doivent être brisées. So every limitation must be broken. Et pour que tu ailles au-delà. And for you to surpass that. Et que tu vives la vie sans limites. And for you to live a limitless life. C'est ça la volonté de Dieu. That's the desire of God. L'onction sans limite sera déversée. That the anointing without limitations shall be shed. Pour que tu sois plus limité. So that we may no longer be limited. Sois attentif pendant ces trois jours. And that's why you must be attentive throughout these 3 days. Profite ces trois jours. And take advantage of these 3 days. Et à la fin, ta vie ne sera plus jamais. And at the end, your life will never be the same. Nous allons nous asseoir parce que nous avons un homme de Dieu qui va nous parler. Please be seated because we have a man of God who will speak to us. Alléluia. Amen. Prenez place. Please be seated. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. God is marvelous. D'habitude, nous avons notre convention au mois de novembre. And as usual, we have our conventions in November. Mais cette année, Dieu avait voulu qu'on la fasse maintenant. But this year, God wanted us to do this now. Alors, nous sommes dans la mouvance de l'Esprit. So now we're in the movement of the Holy Spirit. Et nous croyons qu'il y a quelque chose pour nous. And we believe that God has something for us. Pour notre bonheur, alléluia. For our goodness. C'est pourquoi ce soir nous allons écouter la parole de Dieu. And that's why we're going to listen to the word of the Lord. Par un homme bien, un homme bien. By a very, very good man. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. It's a man that's used powerfully by God. Il a une grâce particulière. And he has a particular type of grace. Alors Dieu est en train de travailler au travers de lui, au travers des nations. So God is using him amongst nations. Comme je vous l'avais dit qu'il habite à Manchester. And as I told you beforehand, that he lives in Manchester, in Rochdale. Il l'a établi avec une assemblée puissante. And that's where God has established him, the powerful assembly. Et Dieu a voulu que ce soit pendant ces trois jours. And God wanted him these 3 days. Que nous puissions profiter de sa grâce. For us to take advantage of his grace. C'est un apôtre authentique. He's an authentic apostle. Alléluia, je dis un apôtre authentique. He is an authentic apostle. Il marche avec des signes et des prodiges. And he walks with signs and prodigals. Parce que nous sommes au temps de la confusion. Because we're in a time of confusion. Mais il y a des vrais. But there are true ones. Il marche avec Dieu who dans walk la crainte with the Lord, l'éternel. With the fear of the Lord. Cet homme parle très bien. And this man speaks very well. Il est parmi nous pas, il n'est pas seul avec and sa charmante épouse toujours. And he's not by himself, he's with his charmante. Maman est toujours à son côté, partout. Mother's always by his side. Est-ce qu'on peut applaudir pour maman Angel? Alléluia. C'est lui le papa de la chanteuse Nathalie. And he's the father of the singer, Sister Nathalie. Amen. Toute la famille sert le Seigneur. The whole family serves the Lord. Ce n'est que la grâce. It's only the grace of God. Amen. Amen. L'apôtre André Diva va nous parler ce soir. So the apostle André Diva will speak to us this evening. C'est un homme puissant en parole et en œuvre. And he's a powerful man in words and in works. Je crois son ministère à la grâce qu'il a. And we believe in his ministry and the grace that he has. Et ce que moi je te demande pendant ces trois jours. And what I'm asking of you for these 3 days. Exercez le mat à foi. Is going to exercise your faith. Tu vas vivre la main de l'Éternel. And you shall see the hand of the Lord. Il y a des choses pour lesquelles tu as lutté. There are things in which you have fought for. Voilà l'occasion. And now is the occasion. Je vais te visiter. In which God will visit je vais you. Te faire du bien. And God will do you good. Aidez-moi ce soir. Help me this evening. À inviter sur ce pupitre l'homme de Dieu. To invite onto this pulpit la bouche the man de of Dieu, God, l'apôtre authentique. The authentic apostle. L'apôtre charismatique. The charismatic apostle. L'homme qui a la parole et la grâce. The man who has words and je grace. Je cite l'apôtre André Diva Lord.
Shalom, shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Il y avait toujours le bruit. You know where Jesus was, there was always a lot of noise. Je reprends là où Jésus était, il y avait toujours le bruit. Where Jesus was, there was always a lot of noise. C'est pourquoi Bartimée, bien qu'il ne voyait pas, il a quand même entendu. And that's why Bartimaeus, even though he couldn't see, he heard everything. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Can we applaud the King of the Lord? Amen. Please be seated. Je voudrais, avant de commencer, dire merci à l'Éternel, notre Dieu. Before starting off, I want to thank the Lord our God. Parce que vous savez qu'il est le maître des temps et des circonstances. Because we know that he's the master of time and circumstances. Quand vous organisez des événements comme ça et ça commence bien, il faut savoir que c'est grâce à Dieu. And when we organize events like this and it's going well, you must recognize it's the grace of the Lord. Parce que vous pouvez planifier les choses et ça n'arrive pas. Because you can also plan things and they never work out. Amen. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il nous a aussi protégés. I'm saying thank you to the Lord because he's also protected us. Bien avant cette convention, nous avions fait un déplacement. Mais Dieu a été avec nous. And before this convention, they went out somewhere else, but God has was with them. Je suis reconnaissant envers Dieu. And he is grateful to the Lord. Et je sais que nous sommes partis avec lui, nous sommes rentrés avec lui. And we know that he went with the Lord and he's come back with the Lord. Je voudrais dire aussi merci à un homme que Dieu a établi dans cette église. And we also want to say thank you to a man who's been established in this church. Prophète Jean-Claude Mukendi. The prophet Jean-Claude Mukendi. Merci beaucoup pour nous avoir invités. Thank you for the invite. Merci pour la confiance. And thank you for the trust. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont avec vous. And may God also bless those who are with you. Avec vous dans who work with you in this work. À cette occasion, je voudrais dire aussi merci à maman Néné. And we'd also like to say thank you to Mama Néné. Parce que chaque fois que nous passons ce côté, because every single time we're by her side, même quand nous allons ailleurs, elle souhaite toujours qu'on puisse passer à la maison. Amen. Even if we're elsewhere, she always wants us to go home. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. May God bless you. Amen. Et amen. 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 Je veux dire aussi merci. À la chorale. We also want to say thank you to the choir. J'ai senti la bonne musique ici. Because we heard good music. On peut acclamer très bien pour les musiciens. Amen. Je voudrais dire aussi merci à notre fille Nathalie qui est avec nous. And we also want to say thank you to our daughter Nathalie who is with us here. Je bénisse Nathalie pour nous avoir accompagné. For accompanying us. Et aussi dire merci à Dieu pour maman Vicky, notre diaconesse de notre église qui est parmi nous ici. Amen. Merci maman pour avoir accepté de nous soutenir. Thank you for the support. Dans cette mission. Amen. In this mission. Je n'oublie pas ma charmante épouse. And we're not forgetting this charming one. De ce devoir là parce que c'est elle qui intercède pour moi. And it's her who intercedes for him. Et elle m'accompagne aussi partout. And she always follows him where he is. Et qu'elle soit bénie. And she be blessed. Je voudrais dire merci aux hommes de Dieu. Want to say thank you to the men of God who have come into the hall. En tout cas, c'est un encouragement. It's an a great encouragement. Votre présence fait du bien. Your presence does us good. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you also. Amen. Amen. Il y a encore un homme de Dieu dans la salle. En tout cas, recevez mes salutations. Amen. Receive my salutations if anyone else. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Are Dieu? Are we ready to listen to the word of God? Attention, moi, vous savez, j'aime être en mouvement. Be careful because the apostle likes to be in movement. Je crois toujours. Because he believes. À l'église primitive. In the primitive church. Je crois que nous devons être modèle. And he believes that we should also be a model. Nous devons être comme l'église primitive aujourd'hui. So that we must be like the early church today. Une église où il y a le bruit. A church where there's a lot of une noise. Une église où il y a des choses étranges qui arrivent. A church in which strange things happen. Une église où Dieu se manifeste. A church in which God manifests himself. Vous savez, vous pouvez faire une église sans Dieu. You know, you can have a church without God. Vous pouvez bâtir une bonne chorale, vous organisez des choses, mais Dieu n'est pas là. You can have good things, but God is not there. Mais quand Dieu est là, les choses sont différentes. When God is there, things are different. Quand Dieu est
là, il y a la joie. When God is there, there is joy. Quand Dieu est là, quelque chose se passe. When God is there, something happens. Parce que Dieu est invisible. Because God is invisible. Mais sa présence. But his presence. Est toujours attestée par des choses visibles. Is always attested for the visible. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis à ton voisin ne dort pas. Tell your neighbor, do not sleep. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je vais te surveiller. Tell your neighbor, I'm going to watch over you. Alléluia. Amen. 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 Une grande convention. A great convention. Avec pour thème au-delà des limites. With a theme saying surpassing limitations. Au-delà des limites. Surpassing limitations. C'est pas église si vous avez pris le temps de lire le texte. I don't know the church if you've taken the time to read lire le, les leaflets que l'église a fait fabriquer. To read the leaflet that has been made. Je suis tellement intéressé au thème. I'm very interested by this theme. Pourquoi? Parce que je crois toujours. Why? Because I believe. Que chaque fois qu'il y a un thème. That every single time there's a theme. Dieu fait aussi les choses par rapport à ce thème-là. That God also manifests himself according to the theme. Alléluia. Amen. Parce que pour avoir un thème. Because to have a theme. Il y a quelqu'un qui a prié. There's someone who prayed. Il y a quelqu'un qui a eu une inspiration. There's someone who was inspired. Il y a quelqu'un qui a demandé à Dieu. There was someone who asked God. De voir se réaliser. To look at these things. Ce qu'il a dans ses pensées. And to realize the things that are in his thoughts. Et je crois que le prophète Jean-Claude. And I believe that the prophet Jean-Claude. En prenant ce thème. In taking that thing, il a la compassion. That he has the compassion. Il a réellement le désir. That he has the true desire. De voir ceux qui vivent des limites aujourd'hui. To see who, those who live in limitations. Au-delà de ces limites. To surpass those limitations. Et si lui a cette conscience. And if he has that conscience. Moi aussi. Then also myself. Venir en ce lieu. In accepting this invitation. J'ai la même compassion. I also have that same compassion. J'ai la compassion pour quelqu'un. That same compassion for someone. Qui est limité. Who is limited. Par des circonstances. By circumstances. Et qui voit qu'il n'est pas possible d'aller au-delà de ses limites. And who is seeing that it's not possible to surpass those limitations. C'est pourquoi pendant ces trois jours. And that's why during these three days. Je crois que notre Dieu. That our God. Il amènera quelqu'un. He will bring someone. À aller au-delà de ses limites. To surpass their limitations. Parce que c'est un Dieu capable. Because he's a capable God. C'est un Dieu tout puissant. He's a powerful God. Et il est capable. And he's capable. De nous amener au-delà des limites. To bring us across those limitations. C'est pourquoi au nom de Jésus. And that's why in the name of Jesus. Je crois de tout mon cœur. That we believe in with all our hearts. Les limites seront déplacées. That limits and limitations may be displaced. Je crois de tout mon cœur. I believe in the bottom of my heart. Et les montagnes seront déplacé. That mountain shall be moved. Je crois de tout mon cœur. I believe with all my heart. Les difficultés vont céder la place. That difficulty shall leave their place. Et je crois. And I believe. Toutes ces choses au nom de Jésus. In all of these things in the name of Jesus. Nous allons prendre la Bible. We're going to take our Bibles. Et nous allons lire. And we're going to read. 1 Chronique chapitre 4. First Chronicles chapter 4. Verset 9 à 10. Verse 9 to 10. Voilà les deux versets. These two verses qui ont été choisis, that were chosen, Dieu de cette assemblée. The chef. Vous avez trouvé? Have you found it? 1 Chronique chapitre 4. First Chronicles chapter 4. Nous commençons par le verset 9 et nous terminons par le verset 10. Verse 9 to 10. Vous avez trouvé? Have si vous avez trouvé, s'il vous plaît, on se met debout et nous lisons ensemble. If you found it, please stand up and we shall read it together. Par respect à la parole de Dieu. For the respect of the word of the Lord. Nous lisons au nom de Jésus. We're reading in the name of Jesus. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? Have you found it? Allons-y au nom de Jésus. Allons-y ensemble. Let's read it all together. Est-ce que vous l'avez trouvé? Have you found it? Allons-y. Une, deux, trois, allons-y. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Bonsoir. Please be seated. Dans ces deux versets que nous venons de lire, in these two verses that we've just la Bible read, nous donne l'histoire d'un homme. The Bible shows us a history of a man. Cet homme de Juda, this man from Judah,
Et on ne connaît pas beaucoup de détails sur sa vie. And we don't know a lot of details about his life. Parce que tout est relaté seulement dans ces deux versets. Because everything is just relative to these two Mais verses. Mais il y a des éléments importants. But there are very important elements. Qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. That can inspire us today. Qui peuvent servir de base pour notre message. And that can serve as a base for our message. Cet homme. This man, la Bible dit, the Bible says, il était considéré par ses frères. That he was considered by his brothers. Parmi ses frères, and amongst his brothers, il fut le plus considéré. He was the most honored. C'est ce que nous connaissons. That's what we know. Un deuxième élément, and the second element, la Bible dit que le jour de sa naissance, the Bible says that the day of his birth, le moment où il a été enfanté, the day in which he was sa mère born, lui a donné un nom. His mother gave him a name. Et ce nom qu'il a porté, and the name that he had, Jabez signifiait, Jabez was meaning souffrance, suffering, ou la source de la souffrance, or the source of suffering. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, and that's why, beloved in the la Lord, maman the mother, se souvenait qu'elle avait souffert pour enfanter l'enfant. Remember that she'd suffered to give birth to her son. Qu'elle avait des difficultés pour enfanter cet enfant. And seeing that she had difficulties to give birth Alors, to elle a donné directement à l'enfant. So now she gave directly to her son. The name Jabez, which meant source de souffrance, a source of suffering, ou la souffrance elle-même, or suffering itself. Alors ce jeune homme a porté ce nom-là. So now this young man had that name. Durant sa vie, and during his life, il a constaté des choses. He realized some things. Parce qu'au verset 10, s'il demande à Dieu, because in verse 10, de pouvoir élargir son territoire, he asked the Lord to enlarge his territory. C'est-à-dire de déplacer les limites. So to remove those limitations. Et s'il demande à Dieu que sa main soit sur lui, and if he asked for the Lord's hand to be upon him, c'est parce qu'il vivait des choses. It's because he was living through dans things sa vie, in his life, et il avait compris, and he had understood que ce n'était pas normal, that it was not normal. Vous savez, peuple de Dieu, you know, people of God, quand nous écoutons la parole de when Dieu, when we listen to the word of God, nous devons savoir une chose. We must know one thing. Dieu travaille d'abord avec la conscience de quelqu'un. That God firstly works with someone's conscience. Quand la véritable délivrance, because the true deliverance, commence quand la conscience de quelqu'un est touchée. Starts when your conscience is touched. Et il n'y a pas de vraie délivrance. There is no true deliverance. Lorsque quelqu'un n'a pas encore compris sa souffrance. If someone has not yet understood their suffering. C'est quand quelqu'un comprend sa souffrance. It's when someone understands their suffering. Alors que voilà s'accomplit la première étape de la délivrance. And that's the first stage of your deliverance. Cet homme, this man, a souffert. Jabez had suffered. Il a souffert. He had suffered. Un jour, il a compris. And one day he understood. Il faut que je crie vers l'Éternel. Saying, I must cry out to the Lord, the God of Israel. Et c'est lui seul qui peut changer ma situation. And he's the only one who can change my situation. Je voulais venir à ce nom bien-aimé dans le Seigneur. But for him to come back to this name, Jabez n'avait rien fait de mal. Jabez did not do anything bad. Mais c'est sa mère. But it was his mother. Il lui a donné ce nom. Who had given him this name. Parce que la mère a souffert. Because she had suffered. Et en souffrant. And in suffering, elle a pris ce nom, she took the name, elle a collé à Jabez, and she stuck it et to Jabez her son. S'appelait Jabez, and Jabez was called Jabez. Il a dit à ses amis, je m'appelle Jabez. And he told his friends, my name is Jabez. Partout il partait, everywhere he went, et il s'est présenté comme cela. He was presenting himself Mais as Jabez. Le nom en soi, but the name itself, avait une signification, had a meaning. Ce qui signifiait souffrance. What's meant as suffering. Donc ça dit quoi bien aimé dans le Seigneur. So what does this mean, beloved? La maman qui a souffert, the mother who had suffered, a porté un enfant à elle. She had born a son. Maintenant lors de la naissance, and now out of his birth, elle l'a transmis. She had now transmitted d'une manière la souffrance vers son enfant. In such a manner, suffering to her son. Je ne sais pas. I don't know. Est-ce qu'elle connaissait? Did she know? Est-ce qu'elle était inconsciente? Was she conscious of this? La Bible ne me répond pas. The Bible does not state non, any of this. Je ne peux pas trop faire de commentaires là-dessus. So we can't really comment upon Mais it. Mais ce qui est curieux. But what is curious? Ce que la maman a dit. Is what the mother had said. C'est que l'enfant commençait à vivre. And that's what the her son said. Vous savez, peuple de Dieu. You know, people of God. Dans le nom de chacun d'entre nous. In every single person's name. Il y a toujours un aspect prophétique. There's always a prophetic aspect dans le nom. In a name. Pourquoi dans la Bible, that's why in the Bible y a des personnes, there are people qui ont rencontré Dieu, who had met God, et Dieu a changé leur nom. And God had changed their name. Rappelez-vous l'histoire de Jacob. Do you remember the story of Jacob? Jacob signifiait Jacob meant usurpateur, c'est-à-dire un voleur, meaning a thief.
Il avait ce nom là. He had that name. C'est-à-dire quand on appelle Jacob. So when you call Jacob. C'est-à-dire usurpateur. It's to say that I was a thief. Quand vous enlevez le nom Jacob. So now when you remove the name Jacob. Vous pouvez appeler usurpateur. So now you can call him that, a thief. Quand on appelle. So when they call him. Usurpateur. A thief. Il dit me voici. He says yes, I'm here. J'ai un nouveau ami. So I've got a new friend. Il s'appelle usurpateur. He's someone who's a thief. Comme cela. And as it was. Il a obtenu ce nom. And he obtained this name. Et c'est que le nom disait. And what the name had said. And that's what he was also living. So there's a power dans le nom. In a name. Alors, bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Il est très important. It's very important pour nous de savoir for us to know que l'origine de la souffrance d'abord de Jabez, that Jabez's origin of suffering de sa mère, came from his mother. Les paroles que sa mère a prononcées. There were the words that were pronounced over him by his mother. Le verset 9 dit ceci. In verse 9 it says this. Sa mère lui donna le nom de Jabez. En disant, that his mother called him Jabez, saying, en disant, saying, vous savez, peuple de Dieu, do you know people of God? Jabez tout le temps, Jabez all the time. Quand vous enlevez ce nom là, when you remove that name, les paroles de la maman accompagnaient cet enfant. The mother's words were also accompanying him. Partout il allait, everywhere he was going. Ces paroles créaient la souffrance. And those words parce que la maman elle-même, because the mother herself, a appelé cet enfant source de la souffrance. Had called her own son the source of suffering. De Dieu. Do you know people c'est of God? Parenthèse. It's like a bracket. Attention. Be very careful. À ce que nous disons. With what you say, with what you pronounce, sur nos enfants, upon your children, sur nos maris, upon our husbands, sur nos femmes, upon our wives, sur nos frères, upon our brothers. Car ce que vous dites, because everything you say, ce qui sort de votre bouche, everything that comes out of your mouth, a une puissance, has power. Ce que vous dites, everything you say, faites attention. You must be careful. Vous appelez un enfant idiot. If you call a child an idiot, faut savoir, bien aimé, you must même know, si il appelle Ilunga, that even if he's called vous Ilunga, l'avez appelé idiot, but you call him an idiot, idiot c'est son nom caché. Idiot is his hidden name. And ça. He will live through idiocy. Parce que c'est vous qui avez dit ça. Because you're the one who said that. Regardez, peuple de Dieu. Now look, people of God. Même dans la Bible. That's why in the Bible. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui. You see, there are people today. Quand ils ont des enfants qui naissent. When they have children who are born. Ils vont chercher dans la Bible. They go and look in the Bible. Ils vont chercher dans des journaux. They go and look in newspapers. Ils vont à la télévision pour chercher des noms. They go on TV to look for a name. Beaucoup de gens. But many people. Ne s'intéressent pas à savoir la signification de ces noms. Do not look for the meaning of those names. Frère, I want to tell you, brothers, de Jabez, that all of Jabez's suffering, it was all simply the words pronounced over him by his mother upon his own life. And that was stuck to Jabez. Quand il marche, and when he was walking, il avec la he was walking with suffering. Quand il dort, when he was sleeping, il dort avec la he slept with suffering. Quand il fait des projets, when he had la projects, souffrance est avec lui. Suffering was with him. Beloved in the Lord, Jabez a eu des limites. Jabez had limitations. Il peut pas progresser. It's to say that he could not progress. Pas aller de l'avant. He could not progress in advance. Do you know people of Dieu God? Nous a fait grâce. God has given us the grace. Procéder à beaucoup de cas de délivrance. To go through a lot of cases of deliverance. Mais je crois que ça arrive aussi aux pasteurs qui sont ici. But I also believe it happens to the pastors who are here. Très souvent. That very often. J'ai vu ceci. That I've seen this. Un homme ou une femme. A man or a woman. J'ai prié dans une église. I was praying in a church somewhere. Alors il y a une sœur qui était dans cette église là. And there was a sister who was in that church. Alors le moment venu on priait pour les gens. So now the moment came where they prayed for cette sœur là. So they prayed for the sister. Et quand elle est tombée. So when she fell. J'ai entendu la voix d'un homme. I heard a man's voice speaking from her. And when I asked, who are you? C'était le nom de son père. It was her father. Alors le papa donne son nom. So the father alors gave his la name. Sœur dans cette ville-là est connue par un autre nom. Even though the sister was known by another name. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? So I said, what have you come to do? Le papa dit, je suis venu pour la détruire. And then the father said, I'm here to destroy her. C'est ici ma maison. This is et my moi, home. Je vis ici. And I live here. Oui, frères et sœurs, so brothers and ce sisters, sont des réalités. These are realities. Certaines des souffrances que nous certain avons. Sufferings that c'est you may have. Nous avons une double identité. It's because you don't have another identity. You're known by another mais name. Votre vie but your life dépend du second nom qui vous a été collé. Now depends on that second name votre that you have. Vie your life dépend de ce qui a été collé à votre vie. Depends on what's stuck to your life. Votre vie your life dépend de ce qui a été dit. It's dependent on what was sur said votre vie. Upon ce your life. Pour rien que la Bible déclare. It's not for nothing the Bible says. Quand quelqu'un est en Christ, when someone is in Christ, une nouvelle créature. A new creation. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Because
de nos familles, quand nous venons de nos familles, when we come from our families, quand nous venons de ce monde, when we come from the world, beaucoup de choses peuvent être dites. Many things may have been said. Vous savez, peuple de Dieu, do you know, people of God, ça peut être des noms, it could be names, qui peuvent être donnés, that could be given, à votre famille, to your family, et tous dans la famille, and everyone in the vous family, vous avez le même nom. You have the same name. On vous appelle. They call you. Par un certain nom. By a certain pour name. Identifier tous les membres de l'église. To identify the whole family. Peuple de Dieu. People of et God. Vous allez constater. And you'll now realize. C'est ce qui a été dit. That what, c'est ce que what vous allez vivre dans la famille. Is what you all live through in the family. Je vais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. I'm going to give good news to lorsqu'on someone. Parle au-delà des limites. That when we're talking about surpassing limitations. Il y a un Dieu. Is to say that there is qui a God. Est capable de nous sortir de ce lien. Who is capable to remove you il from y a un Dieu du ciel. There's a God in heaven. Il y a un Dieu d'Israël. There's a les limites. In spite of the limitations. Et soit là où vous êtes. In spite of where you are. Notre Dieu est capable. Our God is capable. Est capable de te faire sortir. He's capable. Je vais avancer, bien-aimé, dans le Seigneur. I'm going to advance, beloved. Et la Bible déclare, and the Bible declares, que Jabez était honoré. That Jabez was honored. Est-ce qu'on peut dire ensemble honoré? Can we all say honored? Il a été honoré. He was honored. Il était honoré par ses frères. He was honored by his brothers. Il était le plus considéré. He was the most considered. De tous ses frères. Out of all of his brothers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Is there someone who's listening to me? Quelqu'un qui a dit le nom de la souffrance? Someone who was called suffering. Quelqu'un qui souffre tous les jours? Someone who suffers every day. Quelqu'un qui a des limites partout? Someone who has limitations everywhere. Si tu veux aller à gauche, ça ne va pas. If they go left, it doesn't work. Si tu veux aller derrière, ça ne va pas. If they go backwards, it doesn't work. Si tu veux avancer, ça ne va pas. If he wants to advance, it doesn't work. Quelqu'un qui souffre comme ça? Someone who suffers like that. But the Bible says, il a été honoré par les hommes. Honored by men. Il a été honoré par ses frères. That he was honored by his brothers. Si la Bible ne le dit pas. Even if the Bible doesn't say. Je crois aussi qu'il a été honoré dans la société. I also believe that he was honored in society. Si tes frères te respectent. Because if your brothers respect ta famille t'honore. If your family honor you. The people around you must honor you too. Quelle contradiction. But what kind of contradiction is this? Someone who is honored. En réalité, but in reality. Il est en train de souffrir. They're always suffering. Vous savez, peuple de Dieu. Do you know, people of God. Vous pouvez porter certains noms honorifiques. You can also have honorable names. Mais en réalité, but in reality, vous connaissez la réalité dans votre cœur. You know the reality is in your heart. Très bien. You really know it. Les honneurs qu'on vous donne, that the honors that they give you, ne reflètent pas la réalité de votre cœur. Do not reflect reality. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? On peut vous donner le nom. They can give you a name. Mettons de côté Jabez. Put aside Jabez. Être une femme mariée. It could be a married woman. Tout le monde vous honore. And everyone honors you. Quand on veut arranger des chaises pour des femmes mariées, on tue mis aussi là-bas. When they want to put chairs of married women, you're there too. Une femme mariée. Because you're married. Les gens te respectent. People respect on t'honore. They honor you. Mais en réalité, in reality, tu sais que tu es plus qu'une femme célibataire. You know that you're not even any more than a single woman. Quelle contradiction. What kind of a contradiction? Tu peux avoir des titres honorifiques. You can have honorable titles. Dans la famille, on sait que tu es l'aîné de la famille. In your family, they know that you're the eldest. Tout le monde veut parler, you know, laissez d'abord l'aîné parler. When everyone wants to speak, they say let the eldest speak c'est first. C'est un honneur, n'est-ce pas? It's an honor. Tu es l'aîné de la famille. You're the eldest. Et on te considère. And they consider mais you. Alors qu'en réalité, but really in reality, la vie ici, in life, bien aimé dans le Seigneur, beloved in the tu Lord, tu sens que tu es bloqué. You know that you're blocked. Et il y a une contradiction quelque part. A contradiction somewhere. Parce que les honneurs que tu reçois, because the honors that you receive, ne reflètent pas la vie que tu mènes. Do not reflect the life that you're living. Quelle était la situation de cet homme? What was the situation of this man? Cet homme, bien-aimé. This man, beloved. S'il est ici, if he's here, prend conscience de sa vie. That is because he took conscious of his life. La délivrance. He was looking at some deliverance. Seulement quand il y a la prise de conscience. It only starts when you're conscious. C'est quand vous avez la conscience. It's only when you're conscious. Très souvent dans nos assemblées. Many times in our assemblies. Qui ont la conscience de leur souffrance qui chez eux à la maison. There are only people who have conscience of their problems at home. Les mèches sont là. But as une fois le maquillage. As soon as they have the makeup and the hair. Le costume. As soon as they have the suit. Dès qu'on arrive dans la maison de Dieu. As soon as you're in the house of the Lord. On fait semblant d'être bien. You pretend to be good. On fait semblant qu'on vit bien. You pretend to live well. Alors qu'en réalité. Even though in reality. On sait très bien. We know very well. Les honneurs que nous avons dans la maison de Dieu. The honors that we have in the house of the Lord. Ne reflète pas la vie que nous menons dans nos maisons. Il y a une souffrance quelque part. There's une misère quelque part. There's misery somewhere. On est limité dans ce que l'on fait. We're limited in what we do. Tu peux t'appeler européen. They can call you European. À Kinshasa, on appelle comment on appelle encore les professionnels.
C'est un nom. It's a professional. It's a name. Tout le monde en Afrique dit nous avons trois professionnels. And everyone will say, I've got three professionals. Ce sont les honneurs que l'on donne. They're honors that you're given. Oh, Jabez, je vais te dire une chose. But Jabez, I want to tell you something. Mais les honneurs là. But all of those honors. Regarde la réalité, toi qui vis ici. When they look at the realities of those who live. Malgré les honneurs qu'on te donne par des frères. The honors that they give by your brothers. Malgré ces honneurs là. In spite of all of those honors. Quand tu appelles même tes grands frères, c'est taise. That even when you call, that even your older brothers stop. Quand il y a une réunion dans la famille, on dit tout le monde doit se taire. When you have a meeting. Il y a un professionnel en Europe qui va parler. They say there's a professional in Europe who's going to speak. Tu dis pas d'enterrement. If you don't say, if you say there's no burial, they won't happen. Il n'y en aura pas jusqu'au moment tu vas dire le dernier mot. It won't happen until you have the last word. La famille t'honore. The family honors you. Ici en Europe. But here in Europe. Même au-dedans de toi-même. Even within yourself. Tu sais que ce que tu traverses ici. You know what you're going through here. Ne reflète jamais. It does not reflect. Ne reflète pas exactement ce que tu vis. It does not reflect what you live. Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un. But there's good news for someone. Il n'y a que Dieu. That there's only God. Il n'y a que Dieu. The pastor is here. It's an honor. It's an honor. This man was honored like that. You can have a title. And you will. Je suis pasteur. I'm a pastor. Mais de moi. But within myself. Je sais que j'ai des limites. I can know that I have limits. Si c'est ça le cas. If that's the case. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. There's a good news today. Good news today. Amen. Yes. Tu peux être belle. You can be beautiful. Everyone knows la belle fille que nous avons. That this is the most beautiful girl we have. Et quand on compte les femmes belles, and when they count beautiful women, comme ça. They say yes, that girl there, she's good. Respecte. And they respect on you. Sait qu'elle est belle. And they know that she's beautiful. De toi-même, but in yourself, tu sais que dans cette beauté-là, you know that in that beauty, c'est aucun homme that there is no one s'approche de toi. Who comes next to you. Pas un aventurier. Not even a conqueror. Je vais essayer. And they put a name upon you. Le célibataire. Of the single. Ce nom-là te quitte aujourd'hui. That name has fallen down today. Yes. Je disais, il faut que ce nom-là te quitte aujourd'hui. That name has leave you today. Il faut que ce nom-là te quitte aujourd'hui. That name has leave you today. C'est une convention de gloire. It's a convention of glory. Et la gloire signifie la manifestation de la puissance de Dieu. And glory means the manifestation of the power of God. Je crois de tout mon cœur. I believe with all my heart. Que les limites seront déplacées au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jabez était honoré. Jabez was honored. Mais fort malheureusement. But unfortunately, il ne vit pas ses honneurs. He was not living those honors in reality. C'était des paroles. They were just words. Mais concrètement, il n'y a rien. But concretely, there was nothing. Tu sais que tu peux devenir British dans ce pays. You know you can become a British citizen in this country. Et quand tu es dans la communauté, on and when you're in your community, British. They'll say, oh, you're already, they're already British. British. They're already British. Mais yo moko il vit en réalité. But you already know in reality that they just honor you like that. But your life. Even an asylum seeker is better than you. So van di boy monument. You'll sit then, you say, when I was in asylum seeker, I was even better. Le diable peut mettre des limites dans ta vie. The devil can place limitations in your life. Le diable peut te bloquer, frère. The devil can block you. Les propos de nos parents. And according with what our parents. J'ai un cousin. I have a cousin. Il fête son anniversaire. That he was celebrating his birthday. Mais les membres de ma famille, but the members of the family ont écrit sur son profil, had written upon his profile. Voilà un homme. Look, this is a man. Un homme capable.
a capable man. De coucher toutes les femmes, y compris les femmes d'autrui. To sleep with all women, even though even other women, other people's wives. Un cousin. A cousin. Et on écrit comme ça. And they write like that. Et ils se vantent. And then they're happy. Content. And they're happy. Mais ce qu'on a dit là. But what they said there arrive, is what happens. Oh, Jesus. Moi j'ai dit. I said. Je viens d'un village. That I've come from a village. Des choses. But there are things je n'accepte jamais que l'on dise sur mes enfants. That I'll never accept to be pronounced over my children. Pourquoi? Why? Parce que j'appartiens à Dieu. Because I belong to God. J'appartiens à Dieu. Because I belong to God. Le Seigneur m'a sorti de la famille. And the Lord has brought me out of my family. Et j'appartiens à une famille céleste. And I belong to a heavenly family. Je connais la puissance des paroles qui sont prononcées. I know the power of pronounced words. Ainsi, peuple de Dieu, so now, people moi je prononce des paroles de bénédiction sur les enfants. I pronounce words of blessings frère, upon children. Ma soeur, my brother, my sister. Si l'enfant n'est pas intelligent à l'école, even if they're not intelligent in school, déclare l'intelligence à l'enfant. Declare intelligence upon them. Tu réussiras. So you will succeed. Dieu va utiliser tes paroles. Amen. Because God will use your words. Prononce les paroles de prophétie. Pronounce those words of prophecy. Ce qui est bien pour toi. Say what is good for your children. Ce qui est bien pour ton mari. Say what is good for your husband. Ce qui est bien pour ta femme. Say what is good for your wife. Et ça va se réaliser. And those things will happen. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dans nos foyers. In our families. Dans nos familles. In our families. Oui, il y a aussi des gens. There are also people. Peut-être nos parents. Maybe our parents. Peut-être. Des oncles. Maybe there are uncles. Des gens qui ont prononcé des paroles. People who pronounce words. Et aujourd'hui. And today. Peut-être que nous ne savons pas. Maybe we didn't know. Peut-être que nous ne connaissons pas. Maybe we didn't know. Il y a des noms. You know there are some names. Tu vas même demander à ton père. But even if you ask your father. Mon nom ici vient d'où? Il ne connaît pas. This name, where did it come from? They don't even know. Il ne connaît pas. They don't know. Moi, je m'appelle Diba. The pastor is called Diba. Chez les Wakongo, ça s'appelle, c'est pas le palmier, c'est ça? Oui. Et le palmier. Oui, parce que je me suis renseigné. Je suis allé demander à mon père. Mon nom, ça signifie quoi? Parce que Diba, the apostle asked his father. Le soleil. Ça signifie le soleil. Mais en même temps, Diba, ça signifie la montre. Et je suis allé demander à mon père qu'est-ce que. And he went to ask his father, what does this mean? Mon père me dit. And his father said. C'était le nom de ton grand-père. It was the name of your granddad. Parce que moi je sais que c'était le nom de ton grand-père. All I know is that it was your granddad's name. Comment mon grand-père a eu ce nom? How did he receive that name? Qui avait donné ce nom? Who gave him that name? Ça venait d'où? Where did it come from? Moi je ne sais pas. Mon père me dit je ne sais pas. No one knew. J'ai prié Dieu. And he prayed to the Lord. Et le Seigneur m'a dit. And the Lord had told him. Ne t'en fais pas pour ce nom-là. Do not worry about that name. Parce que tu m'appartiens déjà. Because you want to tell someone. Parfois notre souffrance. That sometimes our sufferings. N'est pas loin. It's not far away. C'est le nom que tu portes. Then maybe just the name that you have. Tu peux avoir un nom caché en toi. You can have a hidden name within you. Tu peux avoir des noms cachés. You can have hidden names within you. Quand tu entends parce que tu ça te rappelle ton village, tu es très très joyeuse. Even if you hear it because it reminds you of your village. On dit, toi tu appartiens à la tribu qui vole beaucoup et puis tu es très content. They say that you're part of the tribe who steals a lot and you're happy. Et tu es très content. You're very happy. Tu es content. But when you're happy, tous les malheurs des voleurs qui vont te suivre. It's all the misfortunes of theft that goes upon you. La souffrance qui va te suivre. It's all the suffering that follows. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. There are things I can never accept. Et un jour il a refusé. And Jabez one day il a refused. Non. He said no. Non. He said no. J'en ai assez. That I've had enough. La Bible déclare. Declares, il a crié vers l'Éternel. He cried out to the Lord. Je suis en train de dire à quelqu'un. I want to tell someone. Pendant ces trois jours. During these three days. Je ferai du bien à quelqu'un. That God will do good to someone. Je ferai du bien à quelqu'un. God will do good to someone. Les limites ont plusieurs significations. Limitations have many meanings. Ça peut être bien aimé dans le Seigneur la vie. It could be life. Vous savez, il y a des fois, you know, sometimes, des gens dans des familles in qui families ne peuvent pas atteindre 50 ans. Can never get to 50 years old. Jamais 50 ans. Never get to 50 years old. Je connais une sœur dans l'une de nos assemblées. I know a sister in one of the assemblies. Et qui nous a dit un jour, and she said one day, dès que nous arrivons au mois de décembre, that when they get to the month of December, tu évites ton banga. She said we always get scared December, because every December, toujours tout mort plus fort couffre. Someone has to die. Maintenant, tout au cours du décembre. So now when we get to December. La crainte, la panique. Parce que éviter surtout It's complete fear and panic because qui you don't know a fait ça? But who did that? Limite à mon who put such a limitation Allah upon you?
for you to not advance. But what does the Bible say? What is the normal age? I want to tell you, brother, if you belong to the family, in spite of the sickness, I want to tell you that God is there to displace the limitations. David said, I will live. I will not die. I will live. Alléluia. Amen. Je vivrai. I will live. Ezekias. Hezekiah. Il a eu une vie limitée. He had a limited life. L'homme de Dieu venu lui dire. The man of God went to tell him. Prépare-toi, c'est fini. Prepare yourself. You're done. Your time is over. Your time is done. C'est fini. It's done. Mais cet homme, but this man, il a tourné son regard vers le Dieu d'Israël. He looked towards the God of Israel. Même quand c'est lui-même, even when it's himself, qui a limité, who limited, il est capable, he is capable, de placer les limites, to displace the limitations. Lui-même est capable, himself, he's capable, parce qu'il est souverain, because he's a sovereign God. Il a ajouté 15 ans, he added on 15 years. Il y aura la prolongation pour toi. There will be prolongation. Il y aura la prolongation pour toi. It's not done yet for you. Because you're past it. I want to tell you, brother. I know the God I'm speaking of. I know his power. I'm not speaking of myself. I'm not speaking of the prophet. I'm not speaking of the other men of God. But I'm speaking of Emmanuel. I'm speaking of the God of God. I'm speaking of the God of Israel. He is capable. Amen. Alléluia. Amen. Lazare était mort. Lazarus was dead. Il était malade. He was sick. Jésus n'est pas venu. And then Jesus didn't come. Lazare est mort. And then Lazarus c'était died. Fini. It was le over. Le certificat de décès the a death été signé. Was already signed. Mais quand Jésus est arrivé, but when Jesus had arrived, il appelle Lazare. He had called Lazarus. Il appelle un vivant. As they called a living Lazare being. Lazare sort. He said, Lazarus, come Lazare out. Sorti. And Lazarus came out. Il est sorti vivant. He came out living. Lazare est sorti. Lazarus came out living. Je crois en ce Dieu. I believe in this God. Fini. That it was done. Mais Jésus est arrivé. But Jesus came. Tout a recommencé avec lui. And he started. And I believe. I believe. Je crois. I believe. Je crois en ce Dieu. I believe in that God. Sa puissance. I believe in his power. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Au premier jour. Well, on the first day. Mon travail, my work, consiste à toucher votre cœur. Is just consisting in touching your heart. De ta situation. And for you to take conscience of your situation. Pourquoi tu es là? Why are you here? Amen. Amen. Moi, je dis toujours. I always say. Qu'il y a une convention. That every time there's a convention. Que Dieu a préparé à bénir quelqu'un. Is to say that God has prepared to bless somebody. Tell your neighbor that God wants to do you good. God wants to bless someone. And tell them I'm wishing it's you. Alléluia. Amen. Je crois en la puissance. I believe in the power of the Lord. Et s'il y a des hommes qui souffrent comme ça. And if there are people who are suffering like this. S'il y a des femmes qui souffrent comme ça. If there are women who are suffering like this. Ce message c'est pour eux. This message is for you. Ce message c'est pour eux. The message is for them. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. That God had given to Jabez what he had asked for. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Jabez a souffert. Jabez has suffered. Toutes ces années-là. All of those years. Jusqu'au moment où il a parlé. Up until he spoke. Dis à ton voisin tu dois parler. Tell your neighbor you must speak. S'il y a la conscience. If the conscience is working. C'est la conscience qui va te pousser de parler. It's the conscience who will tell you to speak. Vous savez, Jésus a dit une chose. You know Jesus said one thing. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Come to me all those who are tired and heavy laden. And I shall give you rest. Jésus n'a pas invité tout le monde. Jesus did not invite everyone. Il a dit vous tous qui êtes comment? He said those who are tired. Seulement quand ta conscience est fatiguée. So it's only when your conscience is tired. Seulement quand vraiment tu as senti que je souffre. It's only when you actually feel that you're suffering. Anna allait dans la maison de Dieu. Anna went into the house of the Lord. Avait aussi des limites. And she also had limitations. Elle avait sa rivale qui enfantait, c'est pas chaque année. And she had her rival who was always giving birth. Elle était insultée. And she was insulted. Mais Anna souffrait. But Anna was suffering. Elle allait aussi dans la maison de Dieu. She also went
into the house of the Lord as you are here today. Israël a déplacé les limites. And it was the God of Israel who displaced those limitations. Elle était stérile. Remember that she was infertile. Not because of her auntie, son père, not because of her father, but it was God himself. Stérilité d'âme venait de Dieu. God, her infertility came from God. Even if it came from God, un jour comme celui-ci. There was a day like this that Hannah was touched. She said, no, c'est trop. That is too much now. The Bible does not say that she cried the other time. But for that time then, Hannah was really touched. She was at her end. She started to cry. Do you know people of God? Our way of praying in the house of God also depends on the degree of our conscience. And God does not just work with anybody. God is for those who are afflicted. Those who are crying, where are you, brother? Do you know one thing? That we can localize all these things. That preachers come out. On organise. And they organize. Pas de l'argent. And they spend money. De jouer tout ça. And the musicians come and play. D'une seule personne. Only because of one person. D'une seule only personne. Because of one person. Dieu a l'amour envers toi. Because God has love towards you. Dieu sauver quelqu'un. Because God wants to save someone. Dieu veut guérir quelqu'un. Because God wants to heal someone. Parce que Dieu veut délivrer quelqu'un. Because God wants to deliver someone. Parce que tu es très important aux yeux de Because you're very important in the eyes of the Lord. That's why I'm asking you, brother. Considère pas cette convention. Do not just consider this convention as any other convention. Écoute, peuple de Dieu. But now listen, people of God. Chaque jour suffit sa peine. That every single day. Pour chaque convention. Is to say that every convention. There's something special. Quelque chose spécial. There's something special. May God bless you. There's something special. Dieu est en train de faire. That God is in the midst of doing. Là où tu es. That where you are. Oui. That you say yes. C'est moi. It's me. Oui. Yes. C'est moi. It's me. Aujourd'hui. Today. C'est mon jour. It's my day. Au fond de toi-même. And you say from the bottom of yourself that today I'm coming out of my limitation. I'm coming out of my suffering. I'm coming out of my sickness. I'm coming out of my curse. Aujourd'hui. Today. Je vais sortir. I want to come out. Je vais sortir. I want to come out. Alléluia. Amen. Dis je vais sortir. Say I want to come out. Dis je vais sortir. Say I want to come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vais sortir. I want to come out. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, peuple de Dieu, do you know, people of God? Je suis un exemple. I'm an example. Vivant. A living example. De la grâce de Dieu. Of the grace of God. De la faveur de Dieu. Of the favor of God. Je manque jamais de dire ça. I never like to say these things. Quand je me suis marié, when the pastor got married, je n'ai pas connu ma femme comme ça physiquement. He never knew his wife physically. Mais un jour, je dormais. But one day he was sleeping. Dieu me dit. And God said, André, regarde. Et quand je regarde, he said, look, and when he looked, he saw a woman. Et ta voix me pose la question, qui est celle-là? Moi, je dis, c'est celle que je vais prendre en mariage. And then he was asked, who is that? He said, it's the one I want to marry. Et la voix me dit, non, André. And the voice said, no. C'est celle que le monde a préparé pour toi. This is who the world had prepared for you. Voici la femme que tu vas prendre pour la mariée. Now look at the woman who you're going to marry. Dieu m'écoute dans ma vision. And God is hearing me that in his vision. Je regarde comme ça. That he looked. Je vois celle-ci. And he saw his wife. He never seen her. Yes. Telle qu'elle était. As she was. Avec les cheveux, vous connaissez les cheveux. Yes, sir. Allez, traduis-moi, je ne sais pas comment ça se fait. With her African threaded hair. La robe beige avec des souliers. Et Dieu me dit, tu prends ceci pour la sauver. And God said that you're going to take her to save her. Et je me dis, je ne la connais pas. And the apostle said, I don't know her. Et la voix me dira, c'est pas ton problème. And the voice said, that's not your problem. Et nous sommes le matin. And then we're in the morning.
Et ma mère vient me dire, then his mother came and said, je vais préparer pour toi. I want to cook for you. Moi, je dis, d'accord. And I said, okay. Si à l'état de l'époque, j'allais faire l'armée. Because oui, moi, j'allais être dans l'armée. Because he wants to be in the army. J'allais faire à l'époque. Mais il nous avait arrêté quand on était étudiants à Kinshasa. Alors bien aimé, dans le pour couper court. So to cut the story short, whilst he was waiting for his mother's phone, food, his friend came. Et il me dit. And he said. J'ai appris que tu viens de Kinshasa. Moi je dis oui. Depuis quand? Moi je dis non, depuis hier. Il me dit mais est-ce que tu es déjà marié? Moi je dis non. He said, are you already married yet? Si je voulais prendre un mariage, mais voilà ce que Dieu m'a dit ce matin. He said I wanted to marry someone, but this was not this morning. Il était pas chrétien, il s'est même pas intéressé. And because he wasn't a Christian, he didn't care about it. Il s'est intéressé au foufou, on a mangé avec lui. He was just happy about the food. Et après, il me dit, allons, nous allons nous promener, quand même, tu oublies cette histoire de Kinshasa, tout ça. Then afterwards, he said, let's just go for a walk. Il m'amène. So they were going. Et il m'amène. Et sur le chemin, je lui donne encore le rêve que j'avais vu là. And on the way, he also said the dream again. Les souliers rouges, beige, avec les tournelles. A woman with African threaded hair, the beige robe, dress and shoes, red shoes. African threaded hair. Amen. Amen. Et il m'amène chez son ami à lui. Dès qu'on arrive, je regarde, son ami n'était pas là. Et il parle à sa femme. Est-ce que Albert est là? La femme dit, Albert n'est pas là. His friend wasn't there. Pour lui, il va pour travailler. And then the wife said et that no, he's not there. Moment, and at the same moment, elle, ma femme, habitait la maison voisine. The apostle's elle va sortir pour se mettre sur la véranda avec les the red shoes. And he told his friend, you see what I was telling you, with the hair, with the dress, and the red shoes. Il me dit, je comprends maintenant que Dieu parle aux gens. He said, now I understand that God speaks to people. Alors je dis, bon, allons nous asseoir. On s'assoit. So he said, let's go and sit down. Un signe à l'Éternel. He said, I want to ask for the sign from the Lord. Elle-même vient ici. That she must come here by herself. Confirmation. Même pas 10 minutes. Not even 10 minutes. La voisine. Her mother sent her to the neighbors. Quand elle vient, j'ai dit, ah, ça y est. When she came, I said yes. C'est marié. But then they got married. Ensemble. And now they live together. Pas d'enfants. No children. Rappelez-vous, Dieu avait dit, c'est pour là. But remember, God said it's to save her. Dans sa famille. In her family. On met pas au monde comme ça. They don't give birth. Amen. L'unique femme bien mariée. Quand je dis bien mariée, ça dit vous comprenez ce que j'avais dit. The only woman who got married well. Les autres très bien. The others. Mais difficile de trouver le mari. They're very good, but difficult to find partners. Mais elle qui est mariée, où est l'enfant? But she was married. Now where's the child? Les médecins qui chassent. And the doctors. Trois. Three of them ont déclaré qu'elle mettra pas au monde. Had declared that she was infertile. Et la famille m'appellera vite la nuit. And the family called quickly at night. Une réunion de famille pour dire. They needed a meeting. Tu es très jeune. To say that you're very young. Les malouins vite quand quelqu'un se marie on attend vite l'enfant. Mais maintenant il n'y a pas d'enfant. So now there were no children. Confirmé que. And even the doctor said that she's infertile. Je me suis souvenu de Dieu d'Israël. But then he remembered the God of Israel. Il m'a dit, tu prends celle-ci pour la sauver. He said, you're taking her to save her. Je comprends qu'elle vit des limites. And I said, I understand that she has limitations. Dieu d'Israël. But the God of Israel. Il est capable de déplacer les limites. He's the one who's able to displace the limitations. J'ai dit à la famille. And during the night I said. Je crois qu'elle mettra au monde. I believe she'll give birth. La famille me dira. And the family said. Nous lavons les mains. We're washing our hands. Nous lavons les mains. We're washing our hands. Je le dirai. Je le dirai. Oui, lavez vos mains. Yes, wash your hands. Mais mon Dieu. But my God. Ne verra jamais. Will never wash his hands. Amen. Yes, yes. Chers frères et sœurs. Beloved in the Lord. On nous a chassés. They had kicked them out. Et quand on nous a chassés, les gens d'Israël s'est glorifié. Amen. Parce que dans moins de temps. Because in a short amount of time. Elle est devenue ce comme ça. She became pregnant. On croyait que c'était un jeu. They thought it was a joke. Nathalie est là. And now the mother says Nathalie is here. Amen. Comme Dieu donne toujours la vie en abondance. And because God always gives life in abundance. Il n'y a pas que Nathalie.
Après. It wasn't just Sister Natalie. Afterwards. A year afterwards. Après un an encore. After another year. Another. Après un an. And after another year. Another. Après un an. And after another year. Another. Après un an. How can I not serve the Lord with all of these children? I want to tell you that this thing of limitations is true. But you must take conscience of it. And she came out. She came out. Quand je la mets dans sa famille, je viens de là. Tout le monde vient pour la contempler. Every single time she goes to her family, everyone comes to look at her. Dieu va t'amener au-delà de tes limites. Avant que cela arrive, before that happens, tu crois que c'est possible. You must believe that it's possible. Amen. Il faut que tu crois que c'est possible. You must believe that it's possible. Il faut que tu crois que c'est possible. You must believe that it's possible. Oh yes. Amen. Il faut que tu crois que c'est possible. You must believe that it's possible. Sans la foi, tu peux pas plaire à Dieu. Without faith, you cannot please the Lord. Tu vas aller au-delà. You want to surpass things. Le père d'Abraham est mort. Abraham's father died. Amen. Amen. Lui qui a quitté Ur pour aller dans la terre promise. So for the one who left there to go to the promised land, to go to Palestine. Il arrive à Charan et puis s'arrête. He got to Charan and he stopped. Et puis il est mort là-bas. And then he died there. Il a été limité. He was limited. Mais Dieu vient dire à Abraham. But God said to Abraham, sors! Come out! Sors de là où ton père est mort. Come out of your father's house from where he died. Sors des limites de tes parents. Come out of the limitations of your father. Son père était limité. His father was limited. Son père s'est arrêté là. He had stopped there. Je suis venu te dire. I've come to tell you. Dieu veut que tu changes l'histoire de ta famille. That God wants you to change the story, the history of your family. Dieu ne veut pas que tu meurs dans les limites de God ta famille. God doesn't want you to die in the limitations of your family. Dieu veut les choses que ta famille n'a jamais fait. God wants you to do things your family have never done. Yes. So, come out. Notre Dieu est God capable de nous amener là où il veut. Is capable to bring us where he wants us to go. Il est capable de le faire. He is capable to do those things. Et je crois. And I believe. Pendant ces trois jours. That during these three days. Il va faire quelque chose. He will do something. Il va faire quelque chose pour toi. He will do something for someone. Vous savez, j'aime la foi. Do you know I love faith? Parce qu'une chose que Dieu m'a donnée. Because one thing that God has given me. J'aime bien protéger. Is that I like to protect very well. Is faith. Yes. Tout se fait par la foi. Everything is done by faith. Notre diaconesse. Our deaconess. C'est notre diaconesse de l'église. The deaconess from their church. Le 9 avril, a eu l'hémorragie cérébrale. Elle est là. On the 9th of April. L'hémorragie cérébrale. She had a cerebral hemorrhage. Les médecins ont dit il faut opérer. And the doctor said we must operate. Mais ils ont dit ceci. But they said this. Ça là. This here. À mort, quand nous allons toucher, il y aura encore de l'hémorragie, tout ça. Maman est entrée dans le coma. She went into a coma. Elle est là. She's there. Si on projette des photos ici, vous allez tous crier. If we projected the photos here, you'll scream. J'ai demandé à toutes les dix personnes n'a le droit d'aller la visiter. Seulement moi, ma femme et mes deux autres pasteurs avec la foi. And he told the church no one could visit her, only himself, his wife, and other pastors. Nous regardons les choses différemment. It was a faith, because the faith looked at things differently. L'église va seulement commencer à pleurer. The church will only start to weep. Moi, ma soeur, ma femme. Et puis les deux autres pasteurs. He said no, only the pastors and his wife. Nous sommes allés là. So they got there. Et un jour. And one day. Dieu m'a dit. God said. À l'église. Tell the church. Le cas de Vicky, je l'ai changé en témoignage. That I've changed her case into a testimony. Je n'ai pas gardé. And did not keep pendant it. Pendant qu'elle était dans le coma. While she was in a coma. Après l'opération, le sang circulait partout ici. After the operation. J'ai dit à l'église. He told his church. Le Dieu d'Israël m'a dit. The God of Israel has told me. Qu'il a changé ce cas en témoignage. That he has changed his case into a testimony. Il y a des gens qui me regardaient comme me regardaient. There are people who are looking at him as you are. Amen avec les lèvres, mais le cœur ne dit pas amen. And other people say amen with their lips, but their hearts don't say amen. Amen. Even though I'm saying amen. Je dis à mon cœur amen. I'm saying in my own heart amen. Je sais que tu es puissant pour le faire. I know you're capable of doing these things.
Les gens me regardaient. People looking. Le soir, j'ai pris ma femme. J'ai prié l'autre pasteur. And in the evening, he took his wife and the other pastor. And they said, we're going to the hospital. Elle a quatre enfants. She's got four children. J'ai trouvé les enfants misérables. And he found her kids miserable. Là où elle était, maman. And where she was. Et nous avons commencé à prier. And they started to pray. Et j'ai prié, je disais, Seigneur. And he was praying, he said, Lord. Jésus, tu as dit. Jesus, you said. Notre ami Lazare dort. That Lazarus, our friend, is sleeping. Even though Lazarus was dead, mais Seigneur, but Lord, le Lazare de la Bible, the Lazarus of the Bible, nous acceptons, we're accepting it, qu'il a existé, that he existed, that he came back to life. Toi, tu es le même hier. But I know you're the same yesterday, today, and forevermore. Mais pour aujourd'hui, but for today, nous avons devant nous un Lazare qui dort. Aussi. We have a Lazarus who's also sleeping. Seigneur Jésus, Lord Jesus, que sa conscience revienne. May her consciousness come back. Qu'elle se réveille de May son sommeil. May she come out of her sleep. Maman l'a réveillée. Oh, yes. And she woke up. Amen. She woke up. J'ai couru pour aller dire au docteur, elle vient de se réveiller. Oui, quoi? Elle vient de se réveiller. And then he ran to tell the doctors that she's woken up. Et les docteurs ont dit, bon, voyons voir si elle va bouger une pièce. And the doctors said, we're going to see if she's going to move. Que Lazare est sorti avec ses deux pieds. Yes! And he said that I know that Lazarus came out with all of his limbs. Elle va sortir avec tout. So she'll come out with everything. Let us see. And he said, okay, toi, tu vas voir. Tu vas voir. And I said, you will see. Deux, trois jours après, two, 3 days later, je suis à Sheffield. The pastor the apostle was in Sheffield. Mon téléphone sonne. And his phone started ringing. Mon téléphone est toujours ouvert. Ma femme prend le téléphone. Et c'est le fils aîné de maman. It was her eldest son. Il dit, où est papa? And he said, where's the father? Donne les papiers pour signer parce que maman a de l'eau dans la tête. Oh, yes. Il faut qu'on opère, on mette un tuyau ici qui va aller dans l'estomac, comme ça l'eau là va aller dans l'estomac. There was fluid in her head and they wanted to. Mais nous avons dit non. But we said no. Jusqu'au temps où notre pasteur va donner son avis. They said no up until the pastor will give his opinion. Je prends le téléphone, je dis vous avez bien fait. J'arrive. Nous avons coulé. Rouler la voiture. They drove all the way to the hospital. Et arrivé à l'hôpital. And they got to the hospital. Ils trouvaient un médecin comme un chinois, comme un japonais. And he found oui, these Asian doctors. Non? Yes. Il a commencé à m'expliquer. And he started to explain. Vous savez, quand il y a hémorragie, saying that when there's a hemorrhage, the pressure and fluid. Moi, il m'explique. He was explaining. L'explication de la Bible. And he was seeing an explanation of the Bible. And he was seeing medical. Et je lui dis, laissez-moi tranquille. And he said, leave me alone. I want to pray. So he took her head and he said, Lord, Lazarus, 4 days was rotten. It was done for him. He passed the limit of Lazarus. He came out of the pool and he walked. He was only hungry. He avait seulement besoin de manger. He only needed to eat. Seigneur, Lord, ça c'est notre Lazare. This is our Lazarus. Que sa tête soit restaurée. May her head be restored. Que sa tête soit restaurée. May her head be restored. J'ai prié. And I prayed. Le médecin m'a dit à 5h du matin on va faire l'opération. And the doctor said at 5 in the morning they're going to operate. L'opération. J'ai dit, ok, moi j'ai prié. And I said, okay, I prayed. Le matin, in the morning, l'hôpital appelle. The hospital dit, bonne nouvelle. He said, we got good news. On a scanné la tête. We scanned the head. Il n'y a pas d'eau. There is no more fluid. Amen. Il n'y a pas d'eau. There is no more fluid. Couru dans la joie. So I ran into the hospital. Go to the hospital. La maman ici. And he found the deacon. Elle bougeait les pieds. She was moving around. She was moving around. Vous appelez comment encore? C'est ces machines là, toutes ces machines enlevées. Et elle était là. And she was there. Et quand j'arrive, elle me salue. Papa béton. Je dis, hey! Lazare est revenu à la vie. Lazarus came back to life. Suicidé. Alors la Bible déclare so the Bible declares que Jésus a dit qu'on puisse sortir Lazare, non? Qu'on enlève ce, comment on dit? Les bandes, qu'on les délie. Jesus said that they needed to remove the bandages from Lazarus. Mais c'est parce qu'il était lié. But it's because he was bound. Mais quand on l'a délié, il a marché, non? But when he was unbound, he walked. Moi, je crois ça. I believe in that too. Est-ce que tu crois aussi à ça? Do you believe in that as well? Tu vas ressusciter, non? Tu vas ressusciter. We're going to come back. Si tu es dans la tombe, tu vas sortir. Amen. In the name of Jesus. Si tes
voix sont enterrées, ça va sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine passée, elle est partie au contrôle, après un mois. After a month. Et le médecin contrôle la tête du scopier. Maman, même si on s'amène. I'm testifying of what he does. Mais je sais ce qu'il fait. But I know what he does. Il est capable de le faire. He is capable to do those things. Amen. Amen. Peut-être que tu attends la musique pour prier. Maybe you're waiting for music to pray. Mais Anne n'avait pas besoin. But Hannah did not need that. De la musique. She didn't need the music. Mais sa souffrance. But her suffering. L'a fait parler. Had made her speak. Il est mieux. Il est mieux. It's better. Que ta souffrance that your suffering te fasse parler. Will make you speak. Que tu fasses une prière. And that you may do a prayer. Libre qui vient de ton cœur. A free one that comes from your heart. Quel domaine tu es limité. I don't know what, in which domain you're limited peut-être in. Peut-être que dans les études. Maybe in your studies. Tu es limité. You're limited. Peut-être que au niveau de ta santé. Maybe with your health. Tu as une maladie. You have a sickness. Dont le médecin déclaré incurable. In which they called it incurable. Maintenant tu vois la mort. But now you see death. Mais Lazare était même mort. But Lazarus was already Jésus dead. Ramené à la vie. And Jesus brought him back. He's powerful to do. He's puissant pour guérir. He's powerful to heal. Jésus est puissant pour délivrer. Jesus is powerful to deliver. Je déclare, frère, I'm declaring, brothers and sisters, Jésus est le même. That Jesus is the same. Hier, aujourd'hui, yesterday, today, et éternellement. And forevermore. Le même en puissance. The same power. Le même en gloire. The same in glory. Le même en onction. The same in anointing. En lui, il n'y a pas de changement. And in him, there is no change. The man of variation. Il n'est pas comme nous les hommes. He's not like we are as nous men. Nous changeons selon l'âge. That we change according to age. Mais lui d'âge en âge. But him from age to age. Il est Dieu. He is God. Il est éternel. He is eternal. Il est éternel. He is eternal. Quel est ton problème? What is your problem? Mon Seigneur. My Lord. A reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. That's above every other name. Quelle que soit ta difficulté. In spite of your difficulty. Quelle que soit ta maladie. In spite of your sickness. Le nom de Jésus. The name of Jesus. Est un nom au-dessus de tous les noms. The name above every other name. C'est pas le nom qui t'a été donné. I don't know the name that was given to you. On t'a appelé malheureuse. Maybe they called you unfortunate. Mais le nom de Jésus. But the name of Jesus. Est au-dessus de toute souffrance. It's above every suffering. Au-dessus de toute souffrance. Above every suffering. Tu lèves tes mains en l'air. Lift up your hand. Je voudrais que tu pries avec moi. I want you to pray with me. Tu vas prier avec moi. I want you to pray with me. Jésus. Lorsque nous crions, nous invitons Jésus. When we're crying out, we're inviting Jesus. Tu as tes yeux fermés. You have your eyes closed. Qu'il te visite là où tu es. That he may visit you where you are. Quiconque invoque ce nom, in spite of who calls il sera sauvé. He will be saved. Cet homme Jabez a invoqué le nom. Amen. This man Jabez had called the name of the Lord. Amen. The Lord of Israel. Je ne connais pas ta souffrance. I don't know your suffering. Mais quand nous crions Jésus, when we cry out Jesus, regarde-le aussi. Look at him too. Comme Bartimée le voyait. As Bartimaeus would see him. Jésus. Jésus. Tu vas crier très bien. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus. Jésus. J'ai longtemps souffert. J'ai longtemps souffert. Voici ma vie. And voici ma vie. Est limitée. Est limitée. Ma vie, ma vie est malheureuse, est malheureuse. Mais je sais Jésus, et je sais Jésus, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie m'amènera au-delà, m'amènera au-delà.
pourquoi Jésus, j'écris vers toi, interviens. You spirit of death. I'm taking out her body. Go into the dry places. In the name of Jesus. Go into the dry places. Receive your freedom. Receive your freedom. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus.